un opérateur sur le pont là-haut, il y a un kilomètre, vous êtes à 139. Limité à 110. Vous allez. Alors vous habitez où? Vous allez où? Véhicule d'assurance. Oui, est-ce qu'on vous a demandé à l'attestation, vérifier que vous alliez bien dans un rayon raisonnable? Non. Après, ils m'auraient demandé, mais je trouve ça bien. Ouais, et le fait qu'il n'y ait pas de contact, vous le comprenez avec... Oui, bah, je préfère moi-même. Donc, ça vous stresse pas... moins? Ouais. Par rapport au petit, moi je préfère. Tout simplement parce que le choix des contrôles, il est conditionné par la sécurité avant tout. La sécurité de nos hommes déjà dans le cadre d'un contrôle, avec de larges plateformes, voilà, d'être visible, éclairé, etc. Mais comme je vous dis, sur cet emplacement, on peut aussi bien contrôler les équipements des véhicules que l'alcoolémie, la prise de stupéfiants, etc. Mais principalement la vitesse. Le cadre légal du contrôle nous permet accessoirement de vérifier en fait les déplacements des personnes qui sont contrôlées sans tracasserie aucune. Hein, donc c'est vraiment les gens présentent leurs documents, ceux qui sont prévus par le décret. En l'occurrence, pas de tracasserie inutile, on fait ça avec beaucoup de discernement.